Chili. Chili commence à jouer beau sale. Chili commence à bon niveau, bon, qu'à comprendre. Quand y a là, il y a des parlementaires Chili qui besoin éliminer vote avec étrangers. On va poser d'autres questions. Qui ça nous gagne pour dans l'élection? Qui ça gagne pour être 10 dates? Mais son vieux joueur de capture là. S'il t'arrive, fait. Parce que. Vote, vous voulez dire un pile bagaille. Lorsque vous votez, il y a des gens qui peuvent approcher parce que vous n'avez pas voté. Et non, un pile. On imagine que nous avons un étranger de bien dans le pays Chili qui t'a voulu poser candidat dans le pays Chili. Si vous connaissez automatiquement la Konya, tout mettez de côté étranger qui t'a remis poser candidat. Lundi étranger qui t'a remis poser candidat. Monde qui était étranger mais qui vient naturalisé comme Chilien. Si vous connaissez par exemple, on a un Given sur exemple qui t'a posé candidat, qui t'a pas utile communauté, qui t'a pas utile société. Donc, il y a des gens qui ont été votés étrangers. On a été pour Givens, pas qu'à rien dans le pays Chili, parce que la majorité des gens qui ont voté Givens, c'est des étrangers. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis, l'autre bagarre encore. Par exemple, il y a une élection dans tout le pays dans le monde. Et les candidats sont toujours. Il y a des choses en faveur avec les gens qui ont voté pour eux. Par exemple, et un exemple qui est très simple, il y a un candidat à la présidence dans le pays Chili. Qui était proche, qui était proche à la communauté haïtienne au Chili, parce que les connaissent un pile haïtien qui était qu'à voter et faire des propositions ou bien aller souligner des haïtiens, des étrangers et mettre des projets pour eux, son façon pour capable attirer les gens pour venir voter. Mais quand il y a la si étranger pas qu'à voter, guess what? N'importe candidat, quel député, quel sénateur, quel président, il n'a pas fait aucun plan qui a un rapport avec l'étranger parce qu'il n'a pas besoin d'étranger encore. Parce que votre étranger n'a pas servi. Il va plus approcher avec la communauté chilienne. Et pour approcher la communauté chilienne, vous avez dit, n'importe qui monte là, il parle mal de l'étranger. Vous avez tout chilien dans mon là. Nous, politique qui a fait là, son politique contre des étrangers. Moi, d'accord, quand il y a des étrangers qui ont fait des choses bon, qui sont positifs dans le pays Chili. Mais, bah, c'est route ça, si vous arrivez à approuver le projet ça, qui peut-être qu'à jouer contre des étrangers dans le pays Chili. Nous, nous ne pouvons pas avoir valeur encore parce que, il y a des fois, il y a un pile de monde, il y a des sénateurs, il y a des députés qui chitent à parler à la communauté migrant parce que vous connaissez nous qui avons voté. Parce que nous avons force. Si vous au moins 1 million étrangers dans le pays Chili. Ou t'as imaginé où y a un monde fait des projets, des plans qui c'est pour migrants. Ça veut dire là, il y a facilement 50 000 ou 100 000 étrangers pour aller voter pour lui. Donc là, il y a pratiquement passé. Il y a une erreur en pile leader haïtien dans le pays Chili. Fait pas qu'il y a un qui j'aime candidat sénat, député. Parce que moun sa, c'est eux-mêmes qui votent loi. C'est yo qui la loi, c'est yo qui fait loi parce que c'est yo qui vote. Donc j'espère que ça va pas passer. Peut-être pour un pile monde là, ça va gagner importance. Mais pour moi, je crois que hier il y a importance et la mené nous avec un préjugé s'il t'arrive voter parce que là si immigrant qui a voté, tout candidat qui a venu a cherché météo en faveur nous. Alors, monde qui pour immigrant déjà yo. Mais quoi me souvle si étranger pas qu'à voter dans pays Chili ça que les pro migrants pas exister dans pays Chili encore politicien pro migrant pas exister dans pays Chili nous connais politicien c'est un coup et fumi oui côté gain sucre là c'est là y a venu so logique en pile là y a toujours fait ça que fait au poche yo voter des bagages qui pas bon pour nous et alors yo voter des bagages contre gade ba yo mette kont nou ki pa bon pou nou yo vote yo pa d'accord gade projet tou yo mette nan chanm nan ki en faveur nou parce que yo gen ta konnen n'ap di hey moun sa te fon bon bagay n'ap vote l pa exemple yo nèg ki son député tan konnen ki te mande pou éliminer casier judiciaire pou nou nèg sa ou pense li te fè la avec sans intention intention li fè la li te fè la avec intention
pour nous même pour nous reconnaissant pour nous dire que c'était font bagarre pour communauté comme si vous voulez moi même t'a voté pour lui ou même qu'a garder l'autre a voté pour lui parce qu'il fait éliminer casier judiciaire pour nous. Eh bien, tant d'autres l'autre étranger qui t'a voté quelque loi qui est en faveur nous, yo vinn pas même besoin voter fait rien en faveur nous encore parce que nous pas gain droit à vote, nous pas gain droit à vote. Donc ça veut dire et jouet ça son petit jouet sale n'a pas joué mais c'est deux grands monde, deux trois grands monde qui veulent venir avec loi ça pour étranger pas qu'à voter encore. Alors pas qu'à voter c'est député, sénateur et mais n'a pas qu'à voter azek kazek mais monde ça pas qu'à régler rien pour nous ouvrir. Monde qui qu'à régler pour nous c'est député, c'est sénateur. Imaginez nous pour yoter réussi qu'à retirer casier judiciaire pour nous dans pays Chili, son député qui sont députés pour migrants et que moi toujours pas lavel et qui t'ai fait ça donc avec intention il pensait que dans l'élection qui va venir étranger à bal vote haïtien surtout à bal vote donc on est là même s'il t'a gon l'autre projet pour venir faire marcher il pas fait il pas présenté parce que il pas gon merde la bénéficier dans ça donc nous souhaiter que ça va passer que étranger toujours gain droit à voter et vote veut dire en pile bagaille c'est vote qui bail pouvoir sur chaque grain de vote compter et chaque grain de monde qui ca voter compter. Et quel que soit politicien, quel que soit candidat, il est toujours cherché à compter les gens capables de voter. Par exemple, c'est familier, il a cherché sac sucre pour le souci. Et les gens qui ont voté, c'est chaque grain de monde qui a voté. Donc, nous-mêmes, nous sommes sac sucre pour eux. Parce qu'il y a besoin de nous. Et il y a fait des bagailles qui pour convaincre nous tout qui pour nous faire ouais que y a continuer travailler pour nous mais si nous pas qu'à voter si nous pas gain accès à voter comme si nous voulons nous prendre le temps prochain à pays Chili et parce que c'est une pigo anti immigrant à pays Chili monde qui vient avec projet ça et politiquement parlant peut-être des monde qui n'a pas comprendre qui gravité ça si on t'a retiré accès à vote avec étrangers mais c'est vraiment grave. En tout cas, dis-moi ce qui passé si vous avez retiré accès à voter dans le pays Chili. Malgré que vous avez dit que vous avez dit qui peut bah, voter Chili et ceci, cela. Bon, jusqu'à maintenant, nous avons still pas comprendre. Mais, et ça pour comprendre, à comprendre. Malgré que vous avez dit que vous avez dit.